Eh bien salut tout le monde, c'est Sandra, comment allez-vous? Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Palladium. Et aujourd'hui je vais vous montrer une astuce pour trouver pas mal de Findium. Enfin, le Findium sera toujours assez rare à trouver parce que c'est quand même le minerai le plus rare. Mais au moins ça vous permet d'en trouver plus facilement. Donc je tiens à vous prévenir que cette vidéo, normalement ce sujet là sur le Findium n'aurait pas dû être le sujet principal de cette vidéo. Le sujet principal, je vais pas vous mentir, normalement ça aurait dû être une Legendary Stone. Parce qu'un membre de ma faction Sniper and Gold aurait dû avoir une Legendary Stone, je crois il y a 2 jours, et du coup je devais baser ma vidéo dessus. Le problème c'est que le jour où il devait l'avoir, il y a eu une quête qui demandait 2 Legendary Stone de power. À cause de ces 2 Legendary Stone, et elle a pas pu faire sa quête parce que Goldorak n'a toujours pas donné les quêtes à tout le monde. Du coup pour la Legendary Stone on va devoir attendre, et c'est pour ça que cette vidéo là a mis pas mal de temps à sortir parce que je voulais attendre vraiment la Legendary Stone. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, quand je vous dis on va tout simplement avoir une Legendary Stone ou un truc comme ça, vous inquiétez pas, ça va arriver, mais pas dans cette vidéo. Bon, du coup dans cette vidéo, on va déjà commencer par l'origine de like, parce qu'à toutes mes vidéos, tous les 200 likes, je vais prendre 15 minutes mon métier de farmer. Donc je tourne cette vidéo un peu en avance, et du coup, dans ma dernière vidéo, on n'a atteint que 600 likes. Du coup, là, je tourne même pas 24 heures après avoir upload ma dernière vidéo. Bon, la prochaine fois, soyez plus réactifs sur les likes. Non, on va dire que ma dernière vidéo a atteint 1000 likes, on va dire. Du coup, ça fait 1h15 de farm pour ma prochaine vidéo, enfin pour cette vidéo. Du coup, dans ma dernière vidéo, j'avais aussi 1h15 de farm à faire. Du coup, je les ai fait, enfin, j'ai même fait plus qu'1h15, j'ai dû faire à peu près 2h30. Du coup, je suis arrivé level 17 en farmer, comme vous pouvez le voir. C'est grâce simplement à cette farm, comme vous pouvez le voir. Donc ça c'est une nouvelle farm que Weirose a construite. Et du coup voilà, j'ai farm dans cette farm. Voilà, j'ai farm les 4 champs entiers pendant à peu près 2 heures. Et du coup je suis passé du level 15 à 17. Du coup l'objectif, tout simplement, grâce à vos likes, je vais tout simplement pouvoir farm ce soir. Et grâce à ça, normalement dans ma prochaine vidéo, je devrais atteindre le level 18, voire 18,5. Du coup je compte sur vous pour lâcher vos plus gros likes sur cette vidéo, en espérant atteindre les 1200 likes, c'est ce qu'on fait d'habitude. Du coup je compte sur vous. Et du coup, pour continuer avec les dons, je vais tout simplement vous mettre un don tout simplement que une faction m'a fait. Donc tout simplement c'est des membres de la Renaissance qui m'ont fait un don. Enfin je crois que c'est ça, oui si je me trompe pas, normalement c'est des membres de la Renaissance. Du coup voilà, je vous laisse avec le don et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Et bien re tout le monde, du coup on se retrouve pour la partie don de la vidéo. Du coup ça fait extrêmement plaisir d'avoir un don, parce que vu que je me suis fait clear dans ma dernière vidéo, et j'ai plus vraiment beaucoup de stuff. Ok, du coup voilà, il m'a TP. Bon du coup, de la part de la Renaissance, mets-toi bien, j'espère que tu vas kiffer. C'est écrit abonnez-vous les BG. Tous ceux qui regardent mes vidéos sont des BG, vous inquiétez pas. Ensuite, il y a quoi là? Discord de la fac. Bon, si vous voulez rejoindre le Discord de leur faction. Du coup, bon, c'est parti. En fait, c'est pour ouvrir le coffre. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Alors là, par contre, il m'en remet bien là, par contre. Il me dit, j'espère que ça sera à la hauteur. Là, franchement, ouais, c'est à la hauteur. Je n'avais plus un seul full P4. Et là, il m'en redonne 2. C'est juste merci. Ensuite, il y a 19 lingots de titane. Il y a 4 endium, 4 flores en endium. Ensuite, il y a des heal sticks. Ça, c'est vraiment bien. Et il y a des sticks de force. Il m'a mis bien pour les PVP là. Ensuite, il y a 3 lingots de palladium. Il y a 4 harpagocytum. En plus, j'en avais plus parce que, du coup, vu que je me suis fait clair dans ma dernière vidéo, j'avais les harpagocytum dans mon inventaire. Ensuite, là, il y a des épées parfaites pour aller PVP. Des U3, T5 et aura de feu 2. Ça, c'est parfait pour les PVP. Il y a 4 lightning potions. Ça fait trop longtemps que j'en avais pas vu. Et ensuite, il m'a donné des livres parfaits. Ensuite, ici, il y a 3 drawers. Donc, on va tout simplement regarder ce qu'il y a dedans. Alors, du coup, dans le premier, il y a 101 potions. Dis-moi si des. Oh là là. Mais par contre, il m'en remet hyper bien au niveau PVP, hein. En fait, là, il manque juste des Stick of God et je peux aller PVP, en fait. Qu'ici, il y a des potions de force 1. Et ensuite, le dernier drawer, c'est des potions de résistance au feu. Du coup, c'est parfait, en fait. Enfin, après, c'est un don de sa faction. Du coup, je crois que c'est pas le seul à avoir mis du stuff. Du coup, un gros merci à lui et à sa faction. Du coup, par contre, là, je le vois plus. Du coup, il s'est barré. Ok, du coup, voilà, j'ai tout récupéré. Donc, il y avait un stack et 12 blocs de titane et 56 blocs d'améthyste. Du coup, il est parti. Il est parti, ouais. Ouais, du coup, grâce à lui, je vais devoir refaire une base. Ouais, du coup, voilà, on va passer à la suite de la vidéo. Donc, encore un gros merci à lui et à sa faction. Du coup, on passe à la suite de la vidéo. A tout de suite. Tout simplement, là, ce que je vais faire, je vais tout simplement chercher un seau d'eau pour me faire de la fake water. Du coup, on met l'eau ici, un bâton ici, ça me fait la sulfure équateur. Par contre, en plus, c'est un moyen de dupliquer des seaux. Je viens de remarquer, en fait, ça me donne un seau. Bon, après, ça sert pas à grand chose de dupliquer des seaux, mais voilà quoi, faudrait que je reporte ça au staff. Ah oui, ici, en parlant de bugs. Dans ma dernière vidéo, je vous ai tout simplement expliquer un bug avec qui consiste à utiliser sa fast ward pour faire un bug pour avoir hast, en fait, quand vous allez miner l'obsidienne avec votre pioche. En fait, ce bug là est interdit. En fait, j'utilisais un bug qui date depuis très longtemps, c'est depuis la V4 que je le connais, ce bug. Donc moi, je pensais depuis la V4 que le staff en avait conscience de ce bug, et s'ils l'ont pas réglé, pour moi c'est que s'il était pas forcément interdit, sinon il l'aurait déjà réglé depuis ça fait au moins 3 saisons qu'il existe. Du coup, je vous déconseille tout simplement d'utiliser le bug de la fast ward que j'ai montré dans ma dernière vidéo, parce que si un super modo vous prend tout simplement à faire ce
bug, et bah vous serez ban quoi. Moi j'ai eu de la chance parce que tout simplement j'ai été clair tout simplement. Donc en fait j'ai été clair de l'obsidienne que j'ai miné grâce à cette technique. Voilà, je m'en excuse d'avoir montré un bug qui était interdit, voilà, je déconseille de le faire. Et du coup là bah tout simplement j'ai fait un saut de fake water tout simplement parce qu'on va aller dans le Nether. Oui, dans ma dernière vidéo je n'ai pas terminé la quête, enfin les objectifs de la semaine de la faction, qu'il fallait 50 stacks d'obsi. Donc j'ai un peu avancé parce que tout simplement j'ai acheté de l'obsidienne à quelqu'un. Donc voilà, j'ai acheté 3000 obsidiennes. Là il me manque encore 200 obsidiennes et j'ai terminé tout simplement de faire l'obsidienne de la semaine. Ok, c'est bon, du coup on a Wolf du YouTube qui m'a tout simplement TP dans le Nether, donc un gros merci à toi. Donc je vais tout simplement prendre de l'obsidienne, enfin l'obsidienne qu'il me faut. Ah oui, par contre ça va 40 plus vite que waouh. Ah oui d'accord, en fait la Fequator c'est grave mieux que l'Angélique que j'utilisais. Ouais, du coup c'est parti, je vais tout simplement miner l'obsidienne qui me manque, donc les 200 obsidiennes qui me manquent, et on se retrouve une fois que j'ai terminé. À tout de suite. Et bien tout le monde, voilà, du coup j'ai terminé de miner mes 200 obsidiennes. J'en ai même miné 9 en plus quand même. Allez, plus sérieusement par contre, lui il est resté, mais attends, ouais, lui il est resté du début jusqu'à la fin. Et voilà, du coup j'ai 3208 obsidiennes. Je sais pas, mais bon, il a l'air d'être gentil, mais on sait jamais. Il y a mon cas, j'ai pas envie de perdre mon drawer. Tiens, prends mon obsidienne. Une obsidienne qui vient de sonner. Imaginez la yard. Ouais, du coup, je vais voir tout simplement si Gaëtan est connecté pour lui rendre mon drawer. Ok, du coup, là, on a Gaëtan qui m'a TP à la future base claim de la Shadow Raven. Du coup, j'ai caché le chat et tout ça. Je vous dis pas le serve. Bien sûr, tout ce qui est en haut à gauche, ce n'est pas les coordonnées. Ok, du coup, là, il m'a mis un autre drawer à côté. Donc, ah oui, d'accord. Ça, c'est l'obsidienne de la faction. Il me dit, en plus, on a un autre drawer avec encore plus d'obsidienne que celui-là. Et avec un stack de slime pad. Oh, il fallait donner un stack de slime pad. Allez, c'est parti. C'est parti. Là, au revoir la thune. On a un stack de slime pad, ça coûte hyper cher. Si j'en prends un stack par exemple, on peut en faire combien? Ah oui d'accord, d'accord. Ok, bah du coup voilà, j'ai donné logistique de la semaine dernière. Bon, du coup maintenant, avant de passer à la partie avec les Legendary Stones, je vais tout simplement vous montrer du PVP. Voilà, parce qu'en fait avec pas avec la Shadow Raven, avec une autre faction, je vais tout simplement participer à un pillage. Bon, il s'est mal passé, on n'a pas réussi à rentrer dedans à cause des lags du serve. Surtout en plus c'était sur Oceania, et l'Oceania ce soir là n'arrêtait pas de crash. Du coup bah à cause de ça, bah le Wizard n'a pas fait ce qu'on voulait faire avec. Et du coup la faction qu'on a pillé, ils sont intervenus et on a pu un peu PVP. Voilà, la séquence a pas durer très longtemps, mais voilà, je voulais vous partager quand même un peu de ce pillage là. Ils viennent de déco, ils étaient là. À mort. Non, mais les gars, je sais même pas où ils sont, hein, vraiment. Gabine TP. On manque des infos. Un autre mort. Est-ce que je peux avoir un stock, les gars, si vous voulez? Deux morts. C'est bon, ils sont. Venez, y'a pas un stock. Gabine descend. Je peux pas, je suis mort. Ok, donc au lieu de la Legendary Stone comme je viens de dire il y a quelques secondes, on va s'attaquer à comment trouver du Fendium assez rapidement. Donc le Fendium c'est vraiment assez dur d'en trouver parce que c'est le minerai quand même le plus rare du serve. Donc les principaux crafts qu'on peut faire avec du Fendium c'est surtout pour l'Unclaim Finder et aussi pour les sticks. Par exemple pour le Stick of God il nous faut un bloc de Fendium. Du coup je vais montrer vite fait une petite astuce que j'ai découvert il y a quand même assez, il y a un petit bout de temps quand même. Du coup en fait il faut juste se rendre en minage. Donc bien sûr bah il y a que là où on peut avoir du Fendium. Quand il faut un peu s'éloigner quand même. Ok, du coup je pense qu'on s'est assez éloigné. Ouais, faut pas aller non plus à des distances incroyables. Bon, bien sûr ça sera toujours mieux, comme ça vous croiserez pas de galerie de quelqu'un. Vous descendez, donc là je vais tout simplement activer mon F3 parce que sur la gauche on peut voir à partir de quelle couche on peut avoir les minerais. Et le Fendium, regardez, c'est quand même assez tôt quand même. Donc là à partir on va se mettre, on va dire couche 10 à peu près. Et en fait ce que vous allez faire tout simplement, vous allez dans options, graphique, animation. Et ici soit vous mettez tout à on, ou alors il faut les particules. Donc, du coup il faut activer les particules. Donc je sais pas du tout quelles particules il faut. Je pense que ça va être les restones animés ou un truc comme ça. Enfin moi je vais essayer de mettre le plus de particules activées. Et normalement si vous avez un peu de chance, si vous faites ça et que vous zoomez, normalement peut-être vous allez avoir de la chance de trouver des particules de Fendium. Parce que le minerai de Fendium émet des particules jaunes. Mais voilà, c'est quand même assez chaud d'en trouver. Même avec cette technique là c'est quand même assez chaud. Mais bien sûr ça vous donne toujours plus de chances d'en trouver. Ah regardez, voilà, j'en ai trouvé. Comme vous pouvez le voir juste ici normalement. Bah là j'ai zoomé mais regardez, c'est un délire, j'ai vu des particules. Ah regardez, vous voyez des particules là. Et bah ça ces particules là c'est du Fendium. Du coup voilà, vous avez juste à foncer dessus. Bon c'est comme un peu une chasse à l'XP Bosch. Mais le problème c'est que ça va, c'est beaucoup plus dur d'en trouver. Là j'ai dû prendre quoi, allez on va dire 2-3 minutes à trouver un Fendium. Peut-être qu'il y en a plus. Est-ce que mon épée, ma pioche n'est pas fortune 3. Je vous conseille de mettre fortune sur votre pioche parce que vous avez une petite chance quand même d'en drop plus. Et regardez, vous pouvez le voir, les particules sont juste ici. Je vous conseille aussi d'augmenter votre grandeur distance. Comme vous pouvez le voir, moi elle est à 8. Et regardez, hop, et voilà, du Fendium. C'est type pas beau ça. Du coup, hop, voilà, vous avez juste à le prendre. Et voilà, vous avez un petit Fendium. Du coup, pour moi, ça c'est vraiment la technique parfaite. Quand on fait cette technique la plus efficace. Donc pour moi, voilà, c'était vraiment l'astuce, vraiment la meilleure astuce que je connais. Bien sûr, si vous avez
d'autres astuces, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, ça fera toujours plaisir si vous avez une astuce qui marche plus. Bien sûr, tous ceux qui me disent il faut X-Ray, ça marche plus. C'est sûr qu'avec X-Ray, vous allez trouver beaucoup plus rapidement du fin dieu, mais vous allez vous faire ban beaucoup plus rapidement aussi. Donc du coup, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Je vise 50 000 abonnés avant la fin de l'année. Je tiens à vous remercier parce que au moment où je tourne, on a dépassé la barre des 33 000 abonnés. Un gros merci à vous. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo pour l'objectif de like. Parce que tous les 200 likes, je vais faire pendant 15 minutes mon métier de farmer. N'hésitez pas aussi à commenter pour dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo à un maximum de personne pour me faire connaître sur Palladium. Rejoignez mon Discord communautaire qui est en description, ça me fait extrêmement plaisir. Et suivez-moi sur Twitter. C'était tout pour moi. Allez, ciao bye les gens.